L'unité de notre pays ne veut pas dire simplement que nous avons un dénominateur commun d'appartenance à un ensemble national, mais aussi et surtout de se sentir concerné par le sort de nos compatriotes et de travailler sans relâche en toute responsabilité sur toute chose susceptible d'embellir notre avenir commun. Le temps, notre meilleur partenaire, le temps, notre meilleur partenaire, risque de devenir notre pire cauchemar si des mesures fortes et responsables ne sont pas prises pour recadrer notre système éducatif, notre système sécuritaire, notre système de santé, bref, notre gouvernance. Cette énumération n'est pas exhaustive. C'est dramatique. Et il est temps de se ressaisir et de se recadrer. Ne nous confondons pas avec ce que certains proposent orientés intentionnellement, disent de nous. Car les Congolais unis sont capables du meilleur lorsqu'ils le décident. Cet appel de raison est une invitation du Conseil économique et social à l'unité et à la cohésion nationale, gage d'un mieux-être économique et social. Comme j'ai eu déjà à le dire dans une de mes adresses, dans une famille, on ne se dispute pas lorsque la case brûle. Dans une famille, on ne se dispute pas lorsque la case brûle. Nous avons donc le devoir de soutenir promptement les efforts que déploie le président de la République, chef de l'État et son gouvernement pour trouver les parades nécessaires à la situation imposée au peuple congolais. Honorable Excellence, Mesdames et Messieurs, chers collègues conseillers de la République, fort de sa mission constitutionnelle, le Conseil économique et social a le devoir d'accompagner nos décideurs politiques, dont le gouvernement, dans la recherche des solutions sur l'état des lieux dans les différents secteurs essentiels de la vie nationale. Certes, notre avis est consultatif. Ainsi donc, sur le plan de l'économie, à l'analyse des paramètres présents sur l'économie internationale, nous avons de bonnes raisons de penser qu'il se profile à l'horizon une crise dont les conséquences pourraient négativement impacter nos économies déjà fragiles de par leur nature. Seule l'augmentation de nos capacités de production et de gestion, notamment sur des produits stratégiques, et l'atteinte des objectifs liés à l'autosuffisance alimentaire nous permettront de naviguer les périodes de crise à venir sans trop de dommages et offriront à nos populations un niveau de vie avec un pouvoir d'achat décent. L'État doit ici également retrouver son rôle de planificateur, garant du bien-être des générations futures à travers la concrétisation d'une vision à long terme sur les secteurs impactant directement l'avenir, l'éducation, la santé, l'énergie, l'agriculture, l'écologie, la culture et les nouvelles technologies. Accompagner les gens du bureau ainsi que les éminentes personnalités ici.